Bon, allez, je viens faire le tirage France, d'accord? France de la semaine du 11 septembre. Quand je fais un tirage France, je demande toujours à mes guides de me répondre pour notre ancienne France, d'accord? Donc vraiment, notre France, hein? Voilà, telle qu'on la voudrait, telle qu'on l'a connue. On voit bien que depuis un moment, plus rien ne va, hein? Voilà. Donc, on aimerait, hein, on aimerait. Voilà. Donc, si on peut nous parler de la France, en tout cas, de tout ce qui est gouvernement, hein, en France. OK? Voilà. Alors, ici, on a quoi? On a le 8 de baguette. Vous voyez des choses qui s'accomplissent, d'accord? Quelque chose qui urge, qui arrive à grande vitesse, avec le 8 de baguette. À côté, on a la reine de coupe. On nous parle d'intuition, d'accord? De thérapeute, de guérison, hein? De quelqu'un d'aimante, quelqu'un de maternel, avec la reine de coupe, d'accord? On voit ici qu'il y a quelque chose qui arrive à grande vitesse pour sauver la France, d'accord? Thérapeute, guérisseur, hein? Voilà, en tout cas pour mettre un équilibre, ok? Ici, on a le roi de baguette. Donc, on voit une résolution avec le roi de baguette puisqu'il est à l'endroit. Quelqu'un d'optimiste et quelqu'un de curieux. Vous voyez, en fait, on nous regarde. D'accord? Voilà, on nous regarde. Le roi de baguette. On va trouver une résolution. OK. Donc, ici, sur le 8 de baguette, sur les choses qui se passent en urgence. Et je vous l'avais dit, ça ne peut pas toujours stagner comme ça. Il va falloir prendre le taureau par les cornes. Je vous avais parlé de l'Algérie, hein, vous avez vu, donc l'Algérie en général, hein, voilà. Et bon, vous avez vu qu'ils sont, ils essayent de reprendre leur souveraineté, d'accord? Ils sont, ils n'ont pas envie de lâcher, hein. Donc sur le roi de baguette, on a ici le roi de deniers. L'imperfection, la corruption. Bon, on voit ici qu'il va falloir régler cette histoire de corruption, toutes ces choses qui ne vont pas avec ce gouvernement français, d'accord? Avec la corruption et l'avarice, on voit bien qu'ils essayent de s'intégrer dans d'autres pays, mais seulement pour récolter de l'argent, d'accord? Voilà. Alors, ici, dessus, on a le ciel. Donc, la clarté, d'accord? Les secrets qui sont dévoilés et la musique. Donc, les secrets qui vont être dévoilés, surtout leur blablabla, leur coup de pipeau, leur invention, enfin voilà, hein, ce qui n'arrête pas, d'accord? Et dessus, on a le 3 d'épée. L'éloignement, l'absence, la séparation et la rupture. On voit ici que ces pays à côté, hein, voilà, sont intelligents, d'accord? Ils en ont marre du blabla parce qu'il n'y a rien qui bouge et ils veulent se séparer de la France, d'accord? Ils veulent vraiment couper net, se débrouiller tout seul. Ok. Maintenant, ici, sur la reine de coupe, on a l'alchimiste. L'indécision, les mauvais choix. Bon. Mauvais choix, encore une fois. D'accord? Voilà. Et vraiment, les mauvais choix sont au rendez-vous. Hein, voilà, l'indécision aussi. Parce que dessus, on a le 7 de bâton. Indécision, doute, tranquillité, inaction. On voit ici que il va y avoir une solution. D'accord? Pour mettre la France en tranquillité, d'accord? Voilà, puisque c'est ma question, c'est la France. Bah, c'est qu'ils acceptent de partir de là-bas, d'accord? Ce n'est pas la peine qui force à vouloir rester. Les vérités vont sortir et on sait qu'ils n'aident pas ces pays-là, ils profitent. D'accord?
Donc, l'inaction, d'accord? De mettre la France en inaction dans ces pays là-bas. Dessus, on a le 9 d'épée. Dévotion, célibat, anxiété. Vous voyez, la France est anxieuse parce qu'elle sait elle a tout à perdre, d'accord? Parce que en même temps, il faut être quand même un peu logique, mais on voit quand même que la France a des problèmes avec tout le monde. La France, elle se fait virer du Niger, elle a des problèmes avec la Russie, voilà. Où est-ce qu'on va se faire ravitailler maintenant qu'on nous a fermé toutes nos entreprises, hein, voilà. S'il est en dispute avec tout le monde, hein, bon, bref. Donc on voit, hein. La France, de toute façon, sera mise en inaction. En tout cas, tout ce qui est gouv qui ment. OK? Voilà. Ils sont anxieux et, à vrai dire, hein, ils ont plutôt intérêt. Donc ici, avec le roi de baguette, on a vu que c'était la révolution, qu'il faut rester optimiste et en même temps qu'il faut bien regarder ce qui se passe. D'accord? Dessus, on a le 6 de bâton. L'espoir, précaution, contemplation, appréhension. Bon, ici, ensuite, on a le 2 de bâton. On a émotion, surprise, arrivée inattendue. Vous voyez? Quelqu'un qui va venir résoudre les problèmes, qui va mettre le gouv qui ment en inaction, les amis. D'accord? Une surprise. Et ici, on a la justice. Loi, sentence, procès, litige. Écoutez, la France, pour moi, ne sera pas autrement que les autres pays. Il y aura l'armée qui va prendre la relève et qui va mettre ce cher Pinocchio en inaction, puisqu'on voit que partout, il sème le désordre. D'accord, les amis? En tout cas, vous voyez, c'est pas moi qui le dis encore une fois, c'est les cartes. Alors, on va regarder avec le jeu de Yoli ce qu'elle peut nous dire pour la semaine du 11 septembre, s'il vous plaît. Alors, si il pouvait dégager cette semaine, ça serait mon cadeau d'anniversaire, puisque beaucoup le savent, hein, cette semaine, c'est mon anniversaire. Alors, s'il vous plaît, les cartes, laissons mon anniversaire de côté. Alors, on a la carte du temps. Alors, s'il vous plaît. Bon, on a le temps, on a l'apaisement à l'envers. Hein, ça, il va y avoir un apaisement, on va dire, mais il va y avoir aussi. Ça sera bien pour certains et pas bien pour d'autres. Hein, parce qu'il y en a qui vont rien comprendre. Bon, il a fallu du temps pour ramener l'apaisement, mais vous voyez. Il y a quand même une élévation. Alors, laissons mon anniversaire de côté. On veut savoir pour la semaine du 11 septembre, s'il vous plaît. Vous voyez, on a le diable, on a le travail et on a le rituel. Bon, le diable est au travail, hein, voilà, toujours avec ses rituels, on a bien compris. Mais ici, on nous parle peut-être de la lune, hein, ok? Il a fallu du temps pour faire tomber le diable, hein, ça, malheureusement, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Alors, on a bien. Bon, il y en a qui sont désespérés et on peut le comprendre, d'accord? L'engagement, vous voyez, il est à l'envers. Il y a des doutes, énormément de doutes pour beaucoup, hein, voilà. Et ici, vous voyez, on a la carte de la transformation. Une transformation qui est en cours, d'accord, malgré les doutes. Bon. Après, le diable, hein, il est désespéré aussi, hein, parce que, vous voyez, il doute de lui, tout ça, voilà. Et puis, ses engagements, bah, il ne les a pas tenus, hein, voilà. Alors, s'il vous plaît. La semaine du 11 septembre. On nous dit d'être motivé, mais vous voyez, les gens ne sont pas encore vraiment motivés. Hein, d'accord? Voilà.
Semaine du 11 septembre, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour la France? Semaine 11 septembre pour la France, s'il vous plaît. On a l'automne et on a l'abondance à l'envers. Hein? D'accord? Alors, ici, on nous dit que la France va quand même à sa perte hein, et qu'elle va perdre beaucoup. Hein? L'abondance est à l'envers. D'accord? Alors, bien sûr que de se faire jeter de tous les pays comme ça, je ne sais pas à quoi ils vont servir, hein, notre cher Gouvkiman. Hein, franchement, je ne sais pas du tout. D'accord? Voilà. Il essaye quand même hein, d'insister. D'accord? Voilà, vous voyez, hein, c'est le diable en personne. Hein. Bon, il essaye encore avec ses rituels. Il essaye encore de pouvoir manipuler les gens. Mais on voit ici, hein, il est désespéré. Ses engagements sont plus que douteuses. Il y a une transformation qui est en cours et on a l'automne, hein, d'accord? Donc l'homme, c'est mort, hein, de toute façon. L'abondance est à l'envers aussi. Là, il peut plus rien faire. Il est pieds et mains liés, ok? Alors, s'il vous plaît, pour la France, semaine du 11 septembre, pour la France, s'il vous plaît. On a quoi? La femme et la sortie. Bon, bah vous voyez la France, hein, la France qui sort des autres pays, hein, la France qui va se retrouver tout seule. Mais vous savez, à force de tirer sur la corde casse. D'accord? La corde casse. Eh oui. Il y a des changements. Regardez, on a le traumatisme de rejet. On a le traumatisme d'abandon. On a l'envoûtement et on a l'âme sœur. Il y a un changement, d'accord? Voilà. Ben oui, le rejet des autres pays, l'abandon, voilà, des autres pays qui ne vont plus vouloir venir en aide à la France, alors qu'ils ramenaient beaucoup d'argent, hein, voilà. Alors, s'il vous plaît. Voyez la manipulation. La manipulation, elle va changer de camp. Il y a le changement. D'accord? On a le coup de foudre. Seconde chance, la justice. Seconde chance. D'accord? Voilà. La France a trop manipulé. Et voilà. C'est plus possible. Regardez, on a l'enfermement. On a la rupture qui est en cours, d'accord? À cause de l'ego, nous savons hein, que nous avons un Pinocchio avec un ego surdimensionné. On a la fertilité et l'épreuve, hein, d'accord? Moi, ici, pour moi, cette semaine, on va vraiment apprendre que beaucoup, beaucoup de pays hein, ne vont plus vouloir de la France. Ça, pour moi, c'est clair, net et précis. Alors, je sais qu'il y avait déjà le Niger, là, voilà. Mais je pense que ça ne va pas s'arrêter là. Bon, il y a déjà aussi la Russie et tout. J'ai laissé les continents, les amis, dans mon jeu. D'accord? On va voir ce qui va nous sortir. Alors, pour la France, semaine du 11 septembre, s'il vous plaît, que vous pourriez nous donner des détails et être clair. On a le papillon, changement de situation, une transformation. La semaine du 11 septembre, s'il vous plaît. Bon, alors, il y a une nécessité. Ici, avec l'abondance, ma carte à moi, c'est une nécessité de changer les choses. D'accord? Il faut que la situation change, c'est une obligation, une nécessité. S'il vous plaît, semaine du 11 septembre, que pouvez-vous nous dire? Eh bien, regardez ce que je sors. Voilà, je retire le mont, d'accord? Qui est caché, et je prends la carte, je vous la montre. Une nécessité de changement de situation. Regardez, l'armée.
Regardez, le gouffre qui ment en France, il est seul. Il est dans le désert. Il est abandonné. Il n'est plus du tout écouté. L'armée pourrait ici ramener la paix. Cela était tombé. Alors, on va les prendre. On a un homme, 35, 60, moins de 65 ans. Un ennemi qui est un ennemi. D'accord? On a le soleil. On dit qu'il faut rester positive avec le soleil. D'accord? Parce que vous voyez, par rapport à cet homme qui est un ennemi, les bonnes nouvelles arrivent. Le soleil et la coccinelle, c'est une bonne nouvelle. D'accord? C'est un coup de chance. Et le coup de chance, vous voyez, c'est l'armée. Ici, on a le choix. Notre Pinocchio va avoir des choix à faire. D'accord? Pour ramener la paix dans notre pays. Mais ne croyez pas. Ici, il y a le jugement. Vous le voyez, il ne peut plus se déplacer nulle part. Il est sifflé. Il est hué, hein, voilà. Et il est jugé partout où il passe. Tout le monde a une opinion défavorable envers lui, d'accord? Mais on voit ici aussi qu'il va y avoir un jugement par rapport à la justice. Ok? Alors, s'il vous plaît, on a l'Amérique du Sud. Donc ici, ça serait peut-être on va voir. En tout cas, vous voyez, il y a quand même la réussite avec l'armée. Alors, les amis, j'ai déjà dit 100 fois, hein, parce que je vois qu'il y en a encore qui ont peur, ce sera l'armée pour ingérence, d'accord? Donc, ce ne sera pas une loi martiale. Ne vous mettez pas martel en tête. Non, d'accord? Ce sera le temps que le peuple revote ou voilà. Mais sachez que ça ne sert à rien. Et faites attention si on doit remettre un papier dans la boîte, parce que je vous le répète, ils sont tous pareils. Ok? Voilà. Pour la semaine du 11 septembre, s'il vous plaît. Alors, on a quoi ici? On a l'été. L'été, vous voyez, bon, on n'a pas pu l'été. D'accord? Voilà. Maintenant arrive la rentrée et ça va laisser des empreintes. C'était imprévisible. OK? On va récolter. Il y a ici une mutation, un changement, une évolution. D'accord? Mais si on parle du virus, alors il va revenir. Mais vous voyez ce gouffre qui ment, le virus, parce que comme il se sent, comment vous dire, éjecté, voilà, comme il sait qu'il est mal, il va nous remettre un coup de coco. D'accord? Comme ça, pendant un moment où il y a des restrictions santé, patati patata. Bien sûr, on ne peut pas l'éjecter. D'accord? Mais on voit ici qu'il est complètement dans l'illusion. Et c'est la goutte qui va faire déborder le vase. Bien sûr, c'est le débordement. Alors, bien sûr, il va faire croire aux parents, d'accord, qu'il va donner quelque chose. Hein? Voilà. Qu'il va encore nous protéger. Bien sûr. Hein? Bon. Alors cet été, ce n'était pas le bon moment, d'accord? Voilà. Mais
il fallait bien que ça se termine un jour. Il va encore faire une bêtise ou voilà, il va encore mettre le feu aux poudres. De toute façon, il n'arrête pas, on le sait très bien. Donc, pourquoi changer une équipe qui gagne? Ok? Alors, ici, j'ai la protection. La protection qui vient de l'entourage d'un homme âgé. D'accord? Regardez, on a la protection. La protection qui vient d'un homme âgé, qui a des cheveux gris et qui a plus de 65 ans. Il faut examiner parce que ce monsieur combine quelque chose. D'accord? Voilà. Alors ensuite, on a les médicaments, hein, les racines et la campagne. Peut-être un monsieur qui travaille dans le médical, puisqu'ici on a les médicaments. Qui veut garder ses valeurs, qui veut garder ses traditions et qui a besoin de s'éloigner ici pour réfléchir, peut-être, hein, d'accord? Mais vous voyez, regardez, voilà. On a toujours ici les honneurs, les amis. Les honneurs, la maison, flamme et feu. On a vraiment ici, alors on a sorti l'armée ici, les honneurs ici, hein. Mais ça peut être aussi les honneurs pour un monsieur qui travaille dans le médical. C'est marrant, ça me fait penser au professeur Raoul. Bon. Regardez, ennui de santé avec le roi, entourage trompeur, d'accord? Le pardon et un cadeau, regardez. Vous me voyez tirer les cartes, sont là, vous me voyez, c'est pas moi qui les prends, hein. D'accord? Donc ici, il pourrait bien y avoir aussi des secrets, hein, d'accord, qui sortent par rapport à un monsieur qui travaille dans le domaine des médicaments. Voilà. Et qui serait pour moi, hein, voilà, c'est ce que j'entends, c'est mon avis à moi, qui serait au courant de l'armée, hein, d'accord? En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, regardez. Oh, peu. Il y a une grossesse, quelque chose de nouveau qui arrive pour nous venir en aide. Et regardez. Décision, sentence, verdict. D'accord? Il y a un verdict, des déclarations. Ici, on a quoi? On a l'infortune. Bon, alors, ici, pour moi, des déclarations qui concernent les décès. D'accord? Ici, les décès par rapport, par rapport aux picots et tout ça. D'accord? Et on veut nous libérer de ça. Alors, moi, si c'est président, moi, je veux bien. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais au moins, comme ça, au moins, on aura quelqu'un de comment vous dire, de professionnel dans ce qu'on essaye de nous faire croire, de ce qu'on essaye de nous inventer, de nous faire peur. Voilà. Moi, après, lui, s'il me parle voilà, de choses et d'autres qui concernent ses capacités, je veux bien le croire, hein, voilà. Maintenant, tout ce qui vient d'un gouvernement concernant des solutions concernant notre santé, non, bah non, je suis désolée, non, 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 je peux pas, non, je peux pas. Voilà les amis, bon bah écoutez, encore un beau truc, hein, encore un beau trafic. En tout cas, vous voyez, cette semaine, hein, on nous surveille, voilà, de près. Résolution optimiste, hein, il y a des choses qui vont se mettre en cours cette semaine pour nous délivrer du diable. D'accord? Voilà. Alors, je ne dis pas que l'armée va arriver cette semaine, mais je dis que c'est en cours. Il y a fallu que ça commence ailleurs pour que ça arrive chez nous. D'accord? N'oublions pas que nous sommes tous dans le même bateau. D'accord? Et bon, vous avez vu qu'il fait bêtise sur bêtise. Et je vous avais parlé que quand ce sera la fin,
il y aura encore à nouveau des attentats. Vous avez vu la résolution qu'ils ont prise concernant l'habillement à l'école. Ça va chauffer, les amis. D'accord? Parce qu'on a tout accepté jusque maintenant. Alors, ils ne vont pas comprendre pourquoi ça change. OK? Voilà. Ça va donner, mais vous voyez que de toute façon, tout le temps, il fait des conneries. C'est comme ça, tout le temps, il ne peut pas s'en empêcher. Je vais venir vous faire un tirage monde pour voir ce que ça va nous dire, d'accord? Et on va voir. Je vous fais des bisous, je vous dis à tout à l'heure.